Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, mademoiselle Annalisa Pucci. Annalisa Pucci. Annalisa Pucci pour l'Italie, coin rouge du club Pro Fighting, coach et entraîneur monsieur Fabio Corelli, Andrea Brigliadori, 66 kg 300. 33 ans pour Annalisa Pucci, 63 combats, 41 victoires, 13 KO, 3 nuls, 18 défaites. Je répète, 63 combats, 41 victoires, 13 KO, 3 nuls, 18 défaites. Elle a été deux fois championne d'Europe en 2015. Elle a été championne du monde en Angleterre en 2013. Championne d'Europe en Italie en 2012. Championne intercontinentale en Italie en 2009. Madame Annalisa Pucci. Pour ce dernier combat, Annalisa Pucci, ici présente pour l'Italie, rencontrera la boxeuse coin bleu pour la France. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, pour le dernier combat, une fois de plus, de jouer le jeu, d'être debout. Debout, s'il vous plaît, tous autant que vous êtes. Debout, 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 debout. Pour la France, coach et entraîneur monsieur Gabriel Aignon, soigneur Zinedine Hammerlin, Jimmy Sidoni, 67 kg 800 pour Anne-Sophie Matisse, 1m 80. En anglaise, en boxe anglaise, 31 combats, 27 victoires, 23 KO, 1 nul, 3 défaites. Je répète, en boxe anglaise, 31 combats, 27 victoires, 23 KO, 1 nul, 3 défaites. C'est son premier combat en Muay Thai ici sur cette 7e édition d'Empereur Shock T en boxe anglaise. Elle a été deux fois championne d'Europe et, excusez-moi de ce peu, 8 fois championne du monde. J'aimerais qu'on applaudisse très fort Anne-Sophie Matisse. Rencontre internationale France vs Italie. Annalisa Pucci pour l'Italie du club Pro Fighting Italie avec un coach donc Fabio Corelli, Andrea Brigliadori, 66 kg 300, 33 ans, 63 combats pour Annalisa Pucci, 41 victoires, 13 KO, 3 nuls, 18 défaites. Elle a été en pied-point à la Grand Palmarès puisqu'elle a été deux fois championne d'Europe en 2015. Une fois championne du monde en Angleterre en 2013, championne d'Europe en Italie en 2012 et enfin en 2009, championne intercontinentale en Italie. Voilà le palmarès d'Annalisa Pucci pour cette rencontre internationale. Et elle rencontre donc Anne-Sophie Matisse qui a été vraiment, j'allais dire, une grande figure emblématique dans le noblat. Elle a raflé vraiment tous les titres, la meilleure en boxe anglaise. Et ce soir, elle s'adonne donc à la boxe thaï. Première expérience pour elle dans le pied-point. On espère le début d'une grande aventure et d'autres combats. D'autres combats, en tout cas, les médias suivent avec beaucoup d'attention ce combat, ce premier combat d'Anne-Sophie Matisse en pied-point.
Anne-Sophie Mathis, donc Daignon Gym. Je rappelle donc son palmarès en attendant qu'elle revienne. 31 combats pour Anne-Sophie Mathis en boxe anglaise. 27 victoires, 23 KO, 1 nul, 3 défaites. Elle a été 2 fois championne d'Europe et 8 fois championne du monde. 8 fois championne du monde. Voilà, je crois qu'elle détient vraiment un grand record. Parce qu'être championne d'Europe ou championne du monde en boxe anglaise, c'est vraiment le parcours du combattant et c'est le cas de le dire. Anne-Sophie Mathis qui a raccroché les gants l'année dernière en boxe anglaise et qui décide et qui s'est adonné là depuis plus d'un an chez Gabriel Aignan à la pratique de la boxe thaï et qui voulait tester. Elle nous disait à juste titre lors de la pesée de la conférence de presse, on lui indiquait est-ce que c'est difficile de passer de la boxe anglaise à la boxe thaï. Elle nous a dit non, pas du tout. Voilà, elle nous disait moi j'ai un mental de gagnant. Et ben, passons de la théorie à la pratique, Anne-Sophie Mathis. Arbitre et officiel de ce combat, monsieur Kader Chefraoui. De cette 7e édition d'Empereur Choquet et pas des moindres, puisqu'il s'agit du premier combat en Muay Thai d'Anne-Sophie Mathis, elle qui a raflé tous les titres en boxe anglaise face à Annalisa Bucci pour l'Italie. Vérification donc du matériel fait par notre officiel monsieur Kader Chefraoui. Anne-Sophie Mathis pour la France, coin bleu au coin rouge pour l'Italie, Annalisa Bucci. Soigneur hors du ring, s'il vous plaît. Nakmoué au centre. Et voilà les dernières consignes de notre officiel de la FMT auprès de nos deux Nakmoué. La jante féminine bien représentée sur ce plateau de cette 7e édition. On a eu le droit à un très très beau combat de Muay Thai tout à l'heure. Et là, c'est le deuxième combat de cette soirée. Anne-Sophie Mathis pour la France du club Union Gym. Annalisa Bucci pour l'Italie coin rouge du club Pro Fighting Italie. Début de la première reprise. Première reprise.
Alors, voilà, Anso. Anso,
Yeah!
Yeah!
Thank you.
Sophie, Mathis, Déclop et Guillaume-Jim. Et j'appelle monsieur Stéphane Ablon, maire de Vendeuvre, conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle, conseiller communautaire, et madame Nadia Larache, adjointe déléguée à la jeunesse et au sport à la ville de Vendeuvre pour la remise des récompenses. Voilà, donc je vais demander donc à monsieur Stéphane Ablon, madame Nadia Larache, donc adjointe déléguée à la jeunesse et au sport, donc à la ville de Vendeuvre. Madame Nadia Larache. Et monsieur Anthony Claps du Conseil Général. Bien, je vais demander à nos deux Nacmois, s'il vous plaît, de bien vouloir venir. Et donc, déclaré vainqueur de ce dernier combat de cette 7e édition en Prorchopti, rencontre France vs Italie, la boxeuse Coin Bleu, mademoiselle. Et monsieur Klapsa, donc du Conseil Général, qui remet la récompense à Annalisa Pucci de l'Italie. J'aimerais qu'on applaudisse très fort nos deux Nacmois. Déjà la vainqueur, donc Anne-Sophie Mathis du club Union Gym. Et bien entendu, Annalisa Pucci pour l'Italie en présence de tous les coachs. Et voilà nos élus ici présents qui soutiennent cette 7e édition d'Empereur Chopti, qui a tenu vraiment toutes ses promesses avec ses rencontres internationales. Voilà Sophie Mathis qui remporte cette première victoire en Muay Thai. Alors j'ai une question.